Bonjour, voici une petite vidéo qui va expliquer comment récupérer les commentaires d'une vidéo YouTube. Pour récupérer les commentaires d'une vidéo YouTube, vous avez besoin de deux choses. De l'URL de ce site-là, yTCcomments clusterman.ca et la vidéo. Donc là, c'est une vidéo au hasard que j'ai prise, qui n'avait pas trop de commentaires. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre l'URL et que l'on va, on va prendre l'URL que l'on va copier dans l'input et on fait scrape. Donc, quand on clique sur scrape, on voit que le nombre de commentaires récupérés augmente au fur et à mesure. On voit aussi le nombre de commentaires. On voit la vidéo. On voit que le travail est en cours. On attend un petit peu. Hop, c'est terminé. Donc maintenant que c'est terminé, on peut voir que c'est terminé et on peut voir nos possibilités d'export. Donc on peut exporter sous deux formats, le format JSON et le format CSV. La plupart du temps, vous allez vouloir exporter les commentaires au format CSV. Hop. Donc on voit aussi les noms, les users, date, timestamp. Donc on voit aussi que vous pouvez désélectionner ou sélectionner les éléments qui vous intéressent. On veut pas de date, on veut pas de like, etc., etc. Donc là, dans ce cas-là, on va télécharger en CSV. On va aller dans bureau et on va créer un nouveau dossier. Nouveau dossier, ça va être YouTube. Hop, et on enregistre. Voilà. Donc quand on a fini d'enregistrer, on va ouvrir. En fonction du nombre de commentaires, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc abandonner. Hop. Voilà. Annuler. Ok. Donc voilà le fichier de sortie des commentaires YouTube. Ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez après avec vos fichiers CSV. Si vous voulez des statistiques sur sur les commentaires scrappés de la journée, bah, vous pouvez regarder. Ici. Donc là, on voit tout ce qui a été récupéré. Voilà, c'était une vidéo pour expliquer comment scraper des commentaires YouTube. À la prochaine vidéo.